Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi 24 novembre. Et qu'est-ce que c'est que le 24 novembre aux États-Unis? Eh bien, c'est Thanksgiving. Voilà, donc bien, je fais le repas pour Thanksgiving. Alors déjà, j'ai un peu commencé, sans vous en parler. Voilà. Alors premièrement, eh bien, j'ai mis au four la dinde. Alors comme vous pouvez voir, elle va cuire pendant 2 heures. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est une drôle de dinde. Oui, parce que c'est une dinde désossée. En fait, ce sont ce qu'on appelle les poitrines de dinde que je vais faire. Donc il y en a à peu près pour 2 heures. Avec ça, nous allons faire des macaroni cheese. Alors comme vous voyez, là c'est macaroni, il y a 3 livres, c'est-à-dire ça fait 1,5 kg. Je ne crois pas qu'on va faire les 1,5 kg. Pour ces macaroni cheese, comment on fait les macaroni cheese? En fait, des macaronis au fromage. Donc là, j'ai râpé du fromage, j'en ai coupé ici, avec lequel je vais faire du mélange. Et en fait, le fromage, il arrive comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, il arrive comme ça. Donc je l'ai râpé et je l'ai coupé. Avec ça, eh bien, ce que je vais faire, alors là, j'ai des pommes de terre. Je vais faire aussi un gratin dauphinois. Voilà. Alors moi, je vais vous reprendre en vidéo pour vous montrer la suite et la préparation. Hein. Bien que la dinde, elle est en train de cuire. Il y en a pour 2 heures. Je vous montrerai ce qui va se passer avec les macaroni cheese. Alors pour faire les macaroni cheese, bien sûr, on a besoin de les concentrer, mais bien sûr, pas sucrés. Vous hein, voyez, c'est du lait concentré, pas sucré, qu'on va mélanger avec du beurre, de la farine, et avec le fromage, et ça va faire une sauce que l'on va servir avec les macaroni cheese. Mais d'abord, ce sera bien sûr gratiné. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Alors voilà, notre eau est en train de bouillir, donc on va mettre les pâtes. Donc voilà, là je suis en train de faire la sauce pour le macaroni cheese. Alors, voilà, donc là maintenant on va délayer 60 g de beurre qu'on va faire fondre avec 60 g de farine. Voilà, on va bien délayer à feu doux. À rajouter un tout petit peu de farine, voilà, et après eh bien on n'a plus qu'à rajouter. Voilà, quand ça devient comme ça, il faut bien le remuer et surtout pas le faire cramer. On va baisser le feu, il faut pas que ça devienne marron. Et là maintenant on va rajouter le lait concentré. Alors, comme j'ai fait là, j'ai mis du beurre, de la farine, et là je mets le lait concentré. Bien sûr, je tourne, comme vous pouvez voir, dans la sauce. Voilà, donc j'ai mis une dizaine de pièces de fromage et je vais tourner pour le faire fondre, parce que le but, c'est de faire fondre le fromage. Voilà, donc je vais beurrer les plats. Vous allez pouvoir voir avec un pinceau. Voilà, ça va beaucoup plus vite et c'est bien beurré partout. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais mettre les pâtes dans le plat. Alors, on va le prendre avec une louche. Voilà, et bien maintenant on va mettre la sauce. On va mettre la sauce sur les pâtes. Voilà. Alors, je vais essayer d'approcher ça. Voilà. Donc la sauce va bien aller à l'intérieur des pâtes. Ma ci sei tu a tuo cibo d'amor,
Delle belle turban poi riposo, Narcisette va dolcino d'amor. Maintenant, je vais mettre. Bon, voilà, maintenant je vais mettre le premier plat de macaroni cheese dans le four. Voilà. Voilà. Il est à côté du. Des dindes. Et c'est parti. Bon, ben voilà, maintenant je vais vous montrer la finalité. Nos macaroni cheese. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de gratin dauphinois. Alors voilà, comme vous pouvez voir, je viens de faire les pommes de terre. Et bien sûr, comment on fait le gratin dauphinois? Eh bien, on va faire cuire les pommes de terre dans du lait. Voilà, hein, les gallons de lait. Bon, là, il y en aura un peu plus. Hein, dans du lait. Et aussi, on va mettre un plat qu'on va beurrer. Mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on mettra une couche de pommes de terre et une couche de crème fraîche. Voilà, vous voyez, la bonne crème fraîche qu'on trouve ici aux États-Unis. Alors, ceux qui sont là, eh bien, on en trouve à Ralph. Voilà, du sel, du poivre, bien assaisonné. Alors, vous allez me dire, il manque quelque chose. Et oui, il va manquer la noix de muscade. Alors, pourquoi il va manquer la noix de muscade? C'est pas parce qu'on n'en trouve pas ici, c'est parce que je n'aime pas la noix de muscade. Alors, bien sûr, les gens... qui sont en France, et des gens qui regardent cette vidéo, s'ils goûtent mon gratin dauphinois, ils vont dire « Oh, il manque quelque chose !» Oui. Alors, la chance, c'est qu'ici, on va rien me dire. Pourquoi? Parce que, à part moi, eh bien, ça va être des Américains. Il va y avoir Sean, son frère Brian, et son oncle Jim, qui n'ont jamais vraiment mangé un vrai gratin dauphinois. Donc, ils ne vont pas du tout sentir le manque de quoi que ce soit, et surtout pas de la noix de muscade. Et je sais qu'ils vont me dire « Oh, Gerard, c'est delicious !» Voilà, donc je vous montre comment je fais les pommes de terre. Donc voilà, mes pommes de terre sont terminées, comme vous pouvez voir. Elles sont bien fines, bien normales, pour faire un bon gratin dauphinois. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les faire cuire. Donc l'étape suivante, eh bien, c'est de mettre le lait à cuire, à bouillir, pour nos pommes de terre, pour le gratin dauphinois. Voilà. Voilà, donc là, le lait est très chaud pour le gratin dauphinois, comme vous pouvez voir. Et là maintenant, eh bien, je vais mettre les pommes de terre, voilà, dedans, dans le lait. Là, je vais essayer de mettre ça, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Et voilà, il va y avoir du gratin. Donc maintenant, on va laisser cuire. Hein. Alors, vous en faites pas, je me suis lavé les mains avant, hein. Vous voyez, avec du Japanese Cherry Blossom qui vient de Body Work. Oui, je crois que c'est Body Work. Voilà. Donc là, mes pommes de terre sont en train de cuire. Donc je vais baisser un peu le feu parce que je veux pas que ça crame. Puis je vais remuer un petit peu. Et maintenant, on laisse cuire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors maintenant, on va faire quelque chose de délicat. Ça va être de placer les pommes de terre dans le plat avec un peu de lait et surtout la crème fraîche que vous voyez. Crème fraîche, un Vermont. Voilà. Donc vous allez pouvoir être témoin de tout ça. Bien voilà. Alors donc, une couche de pommes de terre. Je vais rajouter un petit peu de lait. Voilà. Pas beaucoup, hein. Voilà. Et on va ajouter, eh bien, la crème fraîche. Voilà. Voilà. Ah ben oui, hein, c'est pas un plat
pour faire régime. Hein. Si vous voulez faire régime, alors là... Et avec la spatule, eh bien, on va étaler la crème fraîche. Voilà. Non, c'est sympa, non? Voilà, la crème fraîche. Alors là, je vais faire quelque chose que pour certains, eh bien, vont me dire que c'est un sacrilège. Eh bien, je vais le faire. J'ai pas mis de muscade parce que je n'aime pas la muscade, mais par contre, j'aime le gratin. Donc, c'est vrai que ça peut gratiner, mais je vais le faire un peu plus gratiné. Voilà. Vous allez voir. Alors, avec du blend italien, parce que c'est ce qu'on trouve ici, on trouve pas de fromage râpé du gruyère. Donc je vais le mettre, je sais, bon, ben, ceux qui n'aiment pas, vous bouchez vos oreilles, vous passez cette partie, ok? Mais vous allez voir, on va se régaler comme des artichauts. Bon, je sais pas ce que je dis là. Je sais pas si les artichauts se régalent. Voilà. Bien, et ben voilà, tout est au four. Ici, on a un gratin dauphinois. Ici, on a et les macaroni cheese et le deuxième gratin dauphinois. Et la dinde est cuite. Donc maintenant, eh bien, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ben voilà, maintenant je vais vous montrer la finalité. Qu'est-ce que l'on va manger ce soir? Alors, voilà nos gratins dauphinois, notre dinde et nos macaroni cheese. Et bien voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer la finalité de ce repas. Alors, voilà la table. Voilà la table. Alors, ici, on a la dinde que j'ai cuisinée tout à l'heure. Ici, nous avons le gratin dauphinois. Nous avons les macaroni cheese. Alors là, c'est du stuffing, hein, c'est pour mettre autour de la dinde. Ici, c'est la gelée de cranberry. Ici, eh bien, nous avons la gravy, c'est de la sauce qui va aller avec la dinde. Et ici, eh bien, c'est du, ça se voit pas trop, mais c'est du maïs. Voilà. Voilà notre table. Alors, une chose que j'avais oubliée, c'était le pain. Eh bien oui, on mange du pain. Alors ici, ben, on trouve de la baguette, comme vous pouvez voir. Bon, c'est pas la baguette que vous trouvez à la boulangerie dans le 20e arrondissement, mais enfin, c'est de la baguette. Et nous avons aussi ce qu'on appelle du pain hawaïen. Voilà, c'est les rolls. Alors, on a la baguette, on a le pain, et voilà. Donc, on va déguster tout ça, et je vais mettre ça sur la table. Voilà. Allez, on va mettre ça là.